Bonjour et bienvenue dans cette séance de sophrologie adaptée, durant laquelle nous allons réaliser une pratique que nous appelons sophro-respiration synchronisée. Je vous invite à vous installer en posture assise ou debout selon votre confort. En posture assise, veillez à ne pas vous écrouler dans votre fauteuil, à rester le dos bien droit, une posture digne, la tête dans le prolongement de l'axe de la colonne vertébrale, menton légèrement baissé vers la poitrine, les pieds bien à plat au niveau du sol et les genoux pas plus haut que le bassin. Si vous êtes en posture debout, je vous invite à garder les genoux bien déverrouillés, pareil, garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, et à garder les pieds à écartement de la largeur de votre bassin. Lorsque le moment sera venu pour vous, je vous inviterai en conscience, dans une action volontaire, à fermer vos yeux. En fermant vos yeux, vous fermez également l'ensemble de vos autres sens qui jusqu'alors étaient tournés vers le monde extérieur pour les ouvrir à votre monde intérieur. Vous êtes désormais à l'écoute de votre propre corps, de votre respiration du moment, de vos sensations agréables et de votre équilibre naturel. Dans cette posture, je vous invite à prendre conscience de votre cuir chevelu, du sommet de votre crâne, qui se détend, se relâche, de même que votre front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, la ride du lion disparaît. Les paupières sont simplement closes, sans aucune tension ni utilisation musculaire superflue. Accueille des sensations agréables qui parcourent le visage, en particulier au niveau des joues. Conscience de votre gorge, de votre cou, de votre nuque et de vos épaules basses et relâchées. Conscience des sensations agréables qui parcourent vos bras, des épaules jusqu'aux poignets. Les sensations agréables qui parcourent le dessus de vos mains. Le dessous de vos mains au niveau des paumes. Prolongeant votre conscience jusqu'au bout des doigts. Et partant des épaules détendues, relâchées, vous prenez également conscience de l'ensemble de votre dos. Le haut du dos d'abord, le milieu du dos, et glissant le long de la colonne vertébrale jusqu'au niveau des lombaires, vous prenez également conscience de la partie basse de votre dos.
Conscience de votre cage thoracique, de son va-et-vient naturel en fonction de votre respiration. La ceinture abdominale se détend, se relâche. Avant d'accueillir l'ensemble des sensations agréables qui parcourent la totalité du haut de votre corps, tête, bras, buste. Le tout confortablement installé dans votre bassin, comme dans un bon fauteuil. Vous prendrez ensuite également conscience de vos muscles fessiers, toujours détendus, relâchés, les sensations agréables qui parcourent vos cuisses, vos genoux déverrouillés. Vos mollets, vos chevilles, vos pieds. Et pour finir, vous prendrez conscience de l'ensemble des Et pour finir, vous prendrez conscience de l'ensemble des sensations agréables qui parcourent la totalité de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et dans cet état de conscience, je vais vous inviter sur une inspiration longue et profonde à contracter l'ensemble des muscles de votre corps, des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Tout votre visage se contracte, vos mains, vos pieds, vos doigts, vos orteils, la ceinture abdominale, les muscles fessiers, tout se contracte dans votre corps sur l'inspiration longue et profonde. Et sur l'expire d'un seul coup, vous allez pouvoir relâcher l'ensemble des muscles en conservant bien sûr juste ce qu'il faut de muscles et de tension pour vous maintenir dans votre posture. L'idée donc sur une inspiration longue et profonde, c'est de contracter l'ensemble des muscles de votre corps comme un enfant qui fait un caprice. De rester en apnée comme ça et en tension pendant un petit moment. Respectez bien sûr votre confort et lorsque c'est le moment pour vous, sur une inspiration, sur une expiration longue et profonde, vous relâchez les tensions. À votre rythme, au moins 3 fois. Inspire longue et profonde. Je contracte le visage, les pieds, les mains, les orteils, les doigts, la ceinture abdominale, les muscles fessiers. Et sur l'expire, lorsque c'est le moment pour moi, je relâche tout. Petit scan rapide pour m'assurer que tout est bien déverrouillé. Je m'assure que les orteils, les pieds, les genoux, les mains sont bien relâchés. Les muscles fessiers, la ceinture abdominale détendue également. Au niveau du visage, est-ce que mes sourcils sont bien détendus, bien relâchés? Ma mâchoire, les lèvres. Retour à une respiration quotidienne.
Et à nouveau, lorsque le moment est venu pour moi, inspire long et profond. Je contracte tout mon corps, la tête, les pieds, les mains, le buste, les muscles fessiers. Je me contracte, je reste en apnée. Et lorsque le moment est venu pour moi, je souffle et je relâche. Complètement détendu, relâché. Une dernière fois à votre rythme. Inspire long et profond. Je contracte le corps de la tête jusqu'aux pieds. Je reste en tension, en apnée, un court moment, confortable pour moi. Et lorsque c'est le moment pour moi, sur l'expire long et profond, je relâche toutes les tensions superflues. Petit temps d'accueil, des sensations agréables. Retour à une respiration quotidienne. J'observe, sans jugement, sans rien expliquer, les sensations agréables qui parcourent mon corps, ici et maintenant. Et tranquillement, lorsque c'est le moment pour moi, je prépare mon esprit à terminer la séance. Je me revisualise là où je suis en train de réaliser la pratique. En tout dernier lieu, j'ouvrirai les yeux, mais d'abord, je vais progressivement bouger les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Les extrémités d'abord, puis ensuite les bras, les jambes, tranquillement, doucement. Je peux m'étirer, bâiller, si l'envie me vient. Je peux également reprendre contact avec mon corps en touchant mon visage, l'arrière de la nuque, le dos, les cuisses, les bras. Reprendre contact avec le monde extérieur à travers mes sens. Je me reconnecte avec les sons environnants. La lumière qui filtre à travers mes paupières, la température de la pièce. Et lorsque c'est le moment pour moi, en tout dernier lieu, j'ouvre les yeux. Merci.